Tout a commencé par un reportage à la télévision. Elsa Mina, la présidente de la fondation Heiser, nous explique la catastrophe qui s'est passée à Lola. Vous savez, l'arrivée d'ultra-chimères bien vénères et dangereuses, et le fait que toute la lumière du monde ait disparu pendant quelques heures. Mais coup de théâtre. Une ultra-brèche s'ouvre, Elsa Mina se fait agresser, la caméra tombe. Je n'écoute que mon courage et je fonce sur les lieux du crime. Mais à la place du Palace Blanc se dresse un imposant château stendhalien, celui de la Rainbow Rocket. Sobon nous attend devant et ce fils de lâche a trahi Elsa Mina pour un peu d'or et de gloire. À l'intérieur, le château est effrayant. Je me fais vite agresser par des sbires de la Team Rocket. Heureusement, Guzma intervient et les roquettes s'enfuient dans deux salles. Les deux sont des puzzles. Dans la première, je dois retenir les couleurs en faisant attention à ne pas me faire déconcentrer par des combats. Donc je note tout sur un papier et ça devient facile. Dans la seconde, la Team Rocket fait un mur humain pour m'empêcher de passer. Oui, face à un garçon de 11 ans. Mais bon, j'ai des Pokémon légendaires capables de pulvériser une planète entière. Donc on va dire qu'ils sont cons, putain. Au bout, deux méchants me font face. Arthur de la Team Aqua et Max de la Team Magma. Tous deux ont dans leur monde respectif réussi leur projet. L'un noyait le monde sous les flots avec Kyogre, l'autre a rendu son monde aride avec Groudon. Tous les deux ont été téléportés à Lola juste avant de mourir. L'un noyé, l'autre tombant dans une crevasse. Ils me défient avec leur légendaire, je les bats, j'actionne le levier derrière les tableaux et j'en retourne à l'entrée. Mais que vois-je? Guzma aux prises avec deux roquettes. Et c'est qu'il les maîtrise le bourre. Il les étouffe et supplie sa pitié. Bon, en vrai, je crois qu'il les étrangle, mais Nintendo a voulu paraître sympa. Max et Arthur interviennent, se chamaillent et disparaissent dans leur monde. Super utile votre intervention, les gars. Hein. Bon, deux nouvelles portes s'ouvrent. Dans la première, une énigme avec des caméras de surveillance Meowth. Fait de les bouger dans la bonne direction, mais je suis plus invisible que Solid Snake. Dans l'autre, une énigme qu'on apprécie beaucoup, et les tapis roulants. Ah, ces belles heures passées dans le QG de la Team Rocket sur Rouge et Bleu. Nostalgie. Bon, c'est facile et dans la première salle, je rencontre Lysandre. Son but, détruire tout ce qui n'est pas bon. Dans son monde, il a actionné l'arme suprême et allait en mourir. En même temps, je sais pas si t'as vu ta gueule, frère. Mais ça n'a pas l'air de lui suffire car sa machine est à Alola et il me propose d'appuyer sur deux boutons. L'un détruit le monde, l'autre m'ouvrant la porte. Évidemment, il détruit le monde. Le jeu étant scripté, Lysandre me défie quand même. Et ce bougon se défend bien, hein. Non seulement il a Yveltal, mais en plus un méga Léviator bien bourrin. Lysandre finit par se questionner sur la notion de bien et de mal et retourne dans son monde pour aller mourir. Je reviens à l'entrée et je pars affronter le quatrième méchant, Helio. Alors lui, c'est le méga dépressif de la bande. Direct, il me pose une question chelou et il me parle du monde nihiliste parfait dont il rêve. Bref, il fallait que je pète la gueule. Je lui détruis son palka, il reprend espoir en la vie après ce beau combat, mais pas de chance, il doit retourner dans le monde qu'il a créé. Un monde froid, vide, sans esprit. Bon bah je me casse et je tombe nez à nez face à Gettys. Lui son délire c'est de libérer les Pokémon de l'esclavage des humains, mais aussi d'avoir tout le monde sous son contrôle. Oui c'est un méchant, pas un vegan. Il agresse lui, et bah forcément je lui pète sa gueule à lui et à son Reshiram. Mais bon il est pas content et il me menace. Soit j'abandonne mes Pokémon, soit il tue Lily. Bah va pour tuer Lily. Nikolai apparaît et bam, Gettys est renvoyé dans sa dimension. Lui il finit plutôt bien, hein. Les autres ils retournent mourir dans leur monde et lui il retourne dans un monde où il est le roi. Ouais. Ne reste plus qu'un adversaire, le Big Boss, celui qui est craint de tous. Vous connaissez son nom, Giovanni. Il m'attend, la mère de Lily au sol. Il m'explique son plan, voyager à travers les dimensions et tout conquérir. C'est officiellement un méchant. Bon bah pas facile, hein. J'ai face à moi un Topicker, un Rhinastock, un Nidoking et un Nidoqueen, et surtout un putain de méga Mewtwo. Mais je suis fort et la victoire est mienne. Tout revient à la normale. Ça finit bien et je gagne 55 maxi pépites, ce qui va me permettre d'acheter un max de cocaïne. Sobon aussi rétrogradé à sous-assistant. Bon, normalement, un mec qui a voulu t'assassiner, tu le mets en tôle ou tu fais passer son assassinat pour un accident de salle de bain. Un sèche-cheveux, c'est vite tombé dans la baignoire. Mais bon, c'est gentil, Pokémon. C'est beau, mais dans l'ombre de cette heureuse scène, restait un homme nous observant. Un homme en noir qui a promis une chose. Maintenant, quel monde sera ma prochaine cible ?